d'après le film, ils font comme une chauve-souris. On est bien dans ce placard, non? Moi, je propose qu'on reste ici, en fait. Franchement, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Par contre, elle fait un bruit de malade quand elle ouvre le placard. Ah, il y a une sauvegarde. Du coup, on va reprendre la VOD ici. Bonsoir à tous, bienvenue sur Bacchael Live, le live où on n'a pas envie de faire de l'alien isolation. Je vous le dis tout de suite. Et... on va continuer nos aventures dans ce monde tout pourri. Je préférais les prédateurs. Bah là pour le coup je préférerais être un prédateur. Ici Turner, j'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Mais peut-être que si tu rampes en tirant la langue, tu crains rien. Ça a l'air d'être une idée géniale. On peut pas revenir sur le fait que je voudrais reroll en prédateur, les amis. Ça a l'air mieux, hein. En plus, le gameplay du Predator est plutôt sympa. Oh, de l'huile! Wait. Method, d'accord. J'arrive pas à lire c'est quoi le deuxième mot. Faut que j'arrête de tourner le dos aux portes en fait. À quoi elle sert cette pièce? Alien versus Predator est un mauvais jeu. C'est un vieux jeu surtout. Il est difficile de juger le gameplay d'un jeu avec beaucoup de recul quand on voit ce qu'on a maintenant en fait. Et moi je sais qu'à l'époque Alien vs Predator m'avait plutôt hypé. Il était marrant. C'était pas génial mais c'était marrant. Oh regardez, il y a une manette d'arcade pour la NES. Ah non, mais on a chacun le droit d'avoir son avis. Et regardez, il y a un deuxième contrôleur. Du coup, on peut jouer à deux. Vous voulez pas qu'on joue à deux, les gars? Ça a tellement l'air d'être une mauvaise idée. J'aimerais avoir la possibilité de fuir en fait. De toute façon, Ch'tululu vaincra. Ah, oh, j'aimerais bien un Alien versus Predator versus Ch'tululu. Ça pourrait être drôle. Bonne soirée, Wolfie. Faudra que tu m'envoies le nom de ton copain, comme ça je le rajouterai dans la liste des restreams. Je suis pas un gros streamer, mais bon, ça peut toujours être utile.
autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous savez tout? Très bien. Ma plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger. C'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne ne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshall? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. Je l'ai déjà dit, non? Je te jure. J'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... Putain. Je crie trop. Personne n'est venu. Je me les peine ici. Non, je crois que cette saloperie marche même pas. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Oh, une arme! Dites-moi que c'est une arme. Dites-moi que c'est une arme. Dites-moi que c'est une arme. Comment on fait pour l'équiper? Oh, c'est pas une arme. Pas de soucis, Wolfie. T'as le droit de rester. Le jeu d'entretien Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non? Dur à cuire, c'est ça? Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. 2300 followers? Ah, mais c'est un joli streamer quand même. Non, non, il n'y a pas de pression. Pourquoi j'utilise pas l'outil de maintenance comme arme? Ça prête bien, non? Non, non, moi je l'attends pas, moi. Zéro. J'adore Kazoo. Oh bah t'es encore là, t'es pas encore parti.
pourquoi vous me faites pas jouer, pourquoi vous me faites pas jouer à des jeux je préférerais faire un Call of, hein, franchement. Hein. Ça a l'air mieux Call of, non? Franchement, un petit Call of Duty, une grosse mitrailleuse, des gens qui tirent dessus, des gens qui se cachent pas dans des conduits d'aération. La PAKA Family n'est que... Bon, j'irai pas jusqu'à là. Ah. Pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Définitivement, la fille de Ripley est mignonne. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y'a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. Je peux avoir le flingue ça... ou pas? Ça a l'air bien le flingue. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y'a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. Le monsieur avec un gros magnum, c'est le tueur. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. C'était toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Vas-y, passe devant, ça a l'air bien. Quand tu te feras bouffer par l'alien, moi je partirai dans l'autre sens. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Pas un geste! Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi c'est John, ça c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Ça a l'air mieux, ouais. Ils vont tellement mourir. Il y a de fortes chances que tout le monde meure avant la fin du jeu, de toute façon. Ça reste un alien. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Tu dis ça parce que t'as un gros magnum, de toute façon. Continuons à jouer en mode tata. Franchement, la technologie du futur des années 80, elle était quand même un peu limite. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça?
Appuie sur le bouton. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il pourrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et écouter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr, il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Va mourir, allez. Franchement, il a l'air encore plus terrifié que moi. Merde. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. La station ressemble à un cimetière, hein? Chut! Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Content de vous voir, les mecs. Il fait tellement de bruit, le putain. Des amis à toi? Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de ça, petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Merci, Kaz. Tu m'as redonné le sourire. Quelqu'un agisse. C'est ce qu'il faut. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sales. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Il n'aura peut-être pas d'autre occasion de le faire. Prends tout ce que tu veux. Elle est où la mitrailleuse? C'est une semaine que je me tairais ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. C'est cool de me donner un flare, mais... Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. N'oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Une lampe torche? Ah, c'est cool. C'est comme dans Alien 1. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. C'est par là. Il y a peut-être d'autres choses, des trucs bien. J'ai dû louper des messages. C'est cool, Freelancer. Avec un PC tour, déjà, tu tourneras mieux. Je préfère tourner plus de jeux avec une 1060 en plus. Parce que bon, les cartes graphiques pour PC portable, c'est quand même pas ça. C'est
C'est ça en fait, pour me calmer, il faut qu'on parle de la réalité. Et maintenant ? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Non mais soyons d'accord, c'est pas parce que ta carte graphique est récente qu'il n'y a que ça. Si t'as un mauvais processeur, déjà ça commence mal. Ah, il faudrait que tu montes à 800 au moins, Number, si tu veux streamer correctement. Axel, c'est ça ? Attends-moi, j'arrive. Sinon, faut que tu baisses la qualité de ton stream. T'es par ici. Tu vois, je gère, fougère. Le PC, pas le mettre en 480, le mettre en 360. Très prudent de s'attarder ici. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Ouais, mais en fait, le téléchargement et l'upload, c'est deux choses différentes. C'est ça, parce que 1.5, j'imagine que c'est ton download. Ils sont pas partis encore. Ah bah si. La magie du jeu. Le truc c'est que en fait quand tu streams, la seule chose que tu utilises c'est ton upload, tu utilises pas ton download. Du coup voilà. En envoi je tourne à 100k. Du coup tu tournes vers les 1000 freelance. Par rapport à ce qu'on dit nous depuis tout à l'heure. Quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. J'arrive pas d'imaginer que je l'entends derrière les murs. Qu'on les attaque. On est obligé de passer par là. Retiens la porte. Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil.
tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes, et je sais pas si t'en es capable. Vous vous sentez en sécurité? Moi pas. Tout le monde avec moi. La première chose qu'on entend, c'est du bruit dans les conduits. Bien joué, Ripley. Voilà. Direct, tout fonctionne. Suis-moi, tu peux le savoir. Pas de bruit. Ils sont encore dans le coin. Non, non, ça me rappelle à rien du tout, là. En général, là, on va entendre des cris parce qu'il y aura l'alien avec les gens. Ah, ils sont moins sadiques que ce que je pensais. Parce que là, moi, je les aurais fait hurler, les gars. Back à L-Live. On en est à 1h40 de jeu et on n'a pas encore perdu la tête. On s'est pas fait découper en morceaux. Le transit est juste devant. Ouais, le transit. Le transit, c'est à peu près ce que t'es en train de m'activer là. Pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. S, j'ai réussi à mettre la main sur un truc dont je parlais, le chef, remarque pas jamais rien. Il y a toujours plein de trucs qui disparaissent dans la station ferme pour de bon. Vous en faites pas pour les douanes non plus, Sinclair, Adina, pot de vin, on a qu'à les offrir, je suppose, à Bailey. Commentaire, interdiction de quoi que ce soit, rayon, intégralité, à me consulter. Aspirine, boîte de conserve, céréales, eau, dentifrice. On commence à manquer de munitions. Ah putain. Putain, demain faut retourner au taf quoi. Tellement ça me déprime. J'ai dormi toute la journée. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ça a l'air d'être une bonne idée. Allons, fais ça. Je fais 9h-17h. Moi je fais 8h-16h32. À 3. 1, 2, 3. Je me tâte à stream en rentrant en baguette, en pense quoi? Il sera quelle heure quand tu rentreras?
Ah si si, il y a des gens. Faut qu'on se casse maintenant. Hé, bande de bâtards. Bouge. Tuez-les. Je crois qu'il est mort. Ils l'ont buté. Allez. T'as buté ce type? Parce que sinon c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. Back à live. Tout va bien. Les armes sont comme des outils. Chaque tâche requiert le bon. Du coup, je propose qu'on garde la mitrailleuse pour la gaine. Tu regardes un match de tennis, Baka? Non. Baka, tu peux bouger aussi. Non, non, faut pas bouger. Non, 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 non. Je vais vous expliquer. Les gens qui se mettent à courir quand il y a un alien dans la pièce, c'est ceux qui meurent. Les gens qui tirent quand il y a des aliens, c'est les gens qui meurent. Les gens qui écoutent de la musique quand il y a un alien. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Je me pose juste qu'une question en fait, c'est est-ce qu'il y avait moyen de récupérer son arme? Marshall Colonial.
bientôt recevront des rapports de tout abus du système ou de passagers en état d'ébriété. Aux autres voyageurs, emportez vos déchets avec vous. Et bonne soirée, Kazuo. Et puis, du coup, pour ton stream, ça dépend à quelle heure tu rentres, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Si tu rentres à 4h du matin, si tu penses qu'il y aura personne, ça sert à rien de streamer. Ouais, par contre, Number, fais attention parce que ça consomme. Enfin, après, tu fais comme tu le sens. Je pense qu'avec 20 mégas, tu dois pouvoir faire 20 lives de 1 heure. Ce qui, en gros, me ferait une petite semaine. C'est pas comme si on captait la 4G chez moi de toute façon. Ça va sonner. Puis j'habite dans des vieux quartiers, des mots, du coup c'est tout en pierre chez moi. Du coup j'habite pas vraiment dans un lieu très réceptif.
quelqu'un qui m'a tiré dessus il y a 15 secondes. Écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall, je me souviens plus de son nom. Celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau. Je crois que c'était un flingue. Il m'a complètement ignoré. Ne parle à personne. Ne dis pas où tu vas. Je te rejoindrai dès que possible. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. J'aimerais bien savoir où ils sont en fait. Tu me vois pas? Tu me vois pas? Tu me vois pas? J'ai quand même l'impression que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Aucune idée, on va bientôt le découvrir de toute façon.
soyez en sécurité ici? Moi, je crois pas. Peut-être fait un peu brutal là. C'est qui me tire dessus? Surtout, il est où? Et GG number pour ton level. Ils sont quand même pas si cons que ça. Compte qu'il y a le cadavre de ton pote par terre et que t'as arrêté d'être sur tes gardes. On n'aurait pas dû faire ça. Ah d'accord, je sais qu'on a tous la dalle, mais... putain, c'est mal. On n'est pas seul. Vérifiez dans les recoins. Sniper déjà. Est-ce qu'on peut fouiller les cadavres? Est-ce que je peux avoir ton revolver, s'il te plaît? Vas-y, il a pas volé quand même. Ah. Donne-moi ton revolver, s'il te plaît. S'il te plaît. Eh, bonne nuit démo. De toute façon, le live va pas tarder à s'arrêter. À la prochaine sauvegarde.
Eh, bonne nuit, Buffer. Pas Buffer, Number. Je crois qu'il m'a vu. Ah non. Tout ça pour retourner ici. Ah ouais, ils sont cons à ce point-là, d'accord. Agent Collant. Agent Collant. En fait, il y avait 75 façons de passer, j'ai juste choisi la pire.
serait classe qu'il y ait des sorties à l'extérieur dans le jeu. Du coup, j'espère qu'il y a des sorties à l'extérieur. Ah, parce que ramasser ceux qui étaient par terre, c'était pas possible, non? Non, non, il fallait que tu continues à me laisser flipper pendant 5 minutes. C'était Bakel Live et on a fait du Alien Isolation. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures dans Alien Isolation. J'essaierai de me montrer un peu plus courageux demain. Je pense qu'on enfilera le bonnet panda. Hein. Le bonnet panda, ça prend toujours un peu le moral. Mais cela, ce sera pour demain. Courage, fuyons. Pour moi, il est mort avec des balles dans le corps. Donc en théorie... En théorie, c'est bon pour nous. Vu qu'il n'est pas mort avec un alien dans le ventre. Quoi qu'il n'y avait pas de reine alien, en fait. Ça a l'air bien. Bonne nuit Bouffeur et à bientôt sur Bakel Live. En tout cas j'espère. Schéma ramassé. C'est pour fabriquer quoi? Une grenade aveuglante. Ça a l'air bien ça. Ah c'est cool parce que depuis tout à l'heure on pouvait pas... on pouvait plus ramasser des...
alors que maintenant on va pouvoir les re-ramasser. Non ? Ah, c'était celui-là. Bon, du coup, je vais retourner sauvegarder et on arrête là pour ce soir. Du coup, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live. On se retrouve dès demain sur Bacal Live pour la suite de nos aventures dans Alien Isolation. En attendant, continuez à jouer à des jeux vidéo. Et n'oubliez pas, l'important dans la vie, c'est de flipper un max pour faire plaisir aux gens. Parce que t'as promis de faire un jeu que tu voulais pas faire.